Installez-vous confortablement. Prenez quelques instants pour vous détendre. Respirez profondément. Vous allez répéter mentalement les mots que je vais prononcer. Je porte mon attention sous la plante de mes pieds. Un peu plus bas, je vois briller un halo de lumière rouge. En son centre, scintille une flamme rouge. Par la force de ma pensée, je fais monter cette flamme rouge à travers mes pieds pour activer, sur le dessus de chacun d'eux, un grand soleil rouge brillant et chaud. Je fixe maintenant l'avant de mes jambes, juste au-dessus de la cheville. Un deuxième soleil rouge y brille. J'en ressens la chaleur. Sur le dessus de chaque pied, mes deux soleils de lumière rouge se rejoignent et s'interpénètrent. Je vais maintenant dans l'espace situé sous mes talons. Un halo de lumière or y brille. En son centre scintille une flamme or. Par la force de ma pensée, je fais monter cette flamme or jusqu'au centre de mes talons pour activer le soleil or brillant et chaud qui s'y trouve. À l'arrière de mes chevilles, je vois briller un deuxième soleil or. À travers mes talons, mes deux soleils or se rejoignent et s'interpénètrent. À l'avant de mes chevilles, à partir des soleils rouges, je fais monter des rayons lumineux le long de mes jambes jusqu'aux genoux. De l'arrière de mes chevilles, je fais monter des rayons de lumière or jusqu'aux genoux. Pendant que les rayons rouges et or montent lentement, je porte mon attention à mes genoux. Devant et derrière chacun d'eux, brille un soleil d'un vert lumineux et translucide. Les rayons rouges et or qui montent le long de mes jambes viennent s'y brancher. À travers les genoux, mes deux soleils verts se rejoignent et s'interpénètrent. Puis, deux rayons verts montent sous la peau, devant et derrière mes cuisses. À mi-hauteur, ils s'incurvent vers l'entrejambe pour atteindre, à l'aine, les régions du sexe à l'avant et de l'anus à l'arrière.
haleine, de chaque côté du sexe, brille un petit rubis rouge. Les rayons de lumière verte qui montent à l'avant viennent se brancher sur chacun d'eux. Puis, de chacun des rubis lumineux, un rayon rouge vient activer un grand soleil rouge carmin centré sur le sexe. Ce soleil est d'un rouge éclatant et chaud. À l'arrière, de chaque côté de l'anus, brillent deux autres rubis rouges. Les rayons verts qui montent de mes genoux viennent s'y brancher. Puis, des rubis lumineux, un rayon rouge vient activer un deuxième soleil rouge carmin centré sur l'anus. Les deux soleils rouges du sexe et de l'anus se rejoignent et s'interpénètrent. J'observe maintenant l'espace situé entre mes cuisses, à mi-hauteur. J'y vois briller, l'un devant l'autre, deux halos de lumière. Or à l'avant, violet à l'arrière. Une flamme brille en leur centre. Par la force de ma pensée, je fais monter simultanément les deux flammes. Or, jusqu'au centre du soleil rouge du sexe, violette jusqu'au centre du soleil rouge de l'anus. Mes deux soleils rouges brillent maintenant comme des braises incandescentes. Du soleil centré sur l'anus, de chaque côté, je fais monter un courant d'énergie rouge jusqu'au creux externe des fesses pour se brancher sur un petit rubis rouge, lumineux et transparent. De là, l'énergie redescend à l'arrière de mes cuisses jusqu'au soleil vert des genoux. Puis, des genoux, l'énergie verte descend le long des mollets jusqu'aux talons, pénètre dans les pieds et vient se raccorder au soleil rouge qui émerge du dessus de chacun d'eux. Prenez quelques grandes respirations. Je vais maintenant à mes mains. Au centre de la paume et du dos de chacune d'elles, brille un soleil or.
les deux soleils or se rejoignent et s'interpénètrent à travers mes mains. Sur le dessus de mes mains, un halo d'énergie dorée flotte. Une flamme brille en son centre. Par la force de ma pensée, je ramène cette flamme or sur le dos de la main pour la brancher au soleil or qui s'y trouve. De mes mains, je fais monter des rayons or en avant et en arrière des avant-bras jusqu'au coude. À la pointe et dans le creux de mes coudes, brille une paire de soleils orangés. Ils sont chauds et translucides. Les rayons or qui montent le long de mes bras viennent s'y brancher. À travers mes coudes, les deux soleils orangés brillants se touchent et s'interpénètrent. Puis, deux rayons orangés montent le long de mes bras pour se diriger vers l'avant et l'arrière des épaules. À l'avant, au creux de chacune de mes épaules, brille un soleil bleu ciel, translucide et chaud. Les rayons orange qui arrivent du pli de mes coudes viennent s'y brancher. Toujours en avant, dans le creux de l'aisselle, brille un deuxième soleil bleu ciel, translucide et chaud. Les deux soleils bleu ciel se rejoignent et s'interpénètrent. Je ressens leur chaleur. De l'avant de mes épaules, des rayons de lumière bleue se dirigent vers la fourche du sternum. Ils viennent se brancher à une fleur d'énergie multicolore qui brille intensément. Je vais à l'arrière des épaules, au même niveau. Un soleil vert électrique, intense et lumineux, brille. Les rayons orange qui montent à l'arrière de mes bras viennent s'y brancher. Toujours en arrière, au creux de l'aisselle, un deuxième soleil vert électrique brille. Les deux soleils se touchent et s'interpénètrent. De l'arrière de mes épaules, des rayons verts viennent se brancher sur la colonne vertébrale à une fleur d'énergie multicolore, intense et chaude. Des fleurs multicolores, en avant et en arrière,
des faisceaux d'énergie partent de chaque côté vers les bras, pénètrent les soleils bleus et verts des aisselles, descendent aux coudes, se transforment en rayons orange et descendent dans mes mains. Faites de profondes respirations. Je reviens maintenant à la région du sexe et de l'anus. Je centre mon attention sur les deux soleils rouges éclatants. Des soleils rouges, des rayons lumineux montent sous la peau en avant et en arrière. Ils viennent activer, un peu au-dessous du nombril et au même niveau sur la colonne vertébrale, une paire de soleils orange, brillants, translucides et chauds. À travers le bassin, les deux soleils orange se rejoignent et s'interpénètrent. Puis, de mes deux soleils, des rayons orange montent en scintillant sous la peau en avant et le long de la colonne vertébrale en arrière. Je me concentre sur la région du plexus solaire. En avant sur l'estomac et en arrière sur la colonne vertébrale, une paire de soleils jaunes brille. Les rayons orange qui montent du bassin viennent s'y brancher. J'observe mes deux soleils jaunes. Ils sont éclatants, lumineux et chauds. À travers l'abdomen, ils se rejoignent et s'interpénètrent. À la hauteur du plexus, je fixe l'espace situé derrière mon dos. Je vois deux halos de lumière, rouge à l'avant, or à l'arrière. Je pénètre simultanément dans ces deux halos et y rejoins leur source. Deux flammes brillantes, rouge et or. Par la force de ma pensée, je ramène simultanément la flamme rouge jusqu'au centre du soleil jaune du plexus et la flamme or jusqu'au centre du soleil jaune sur la colonne vertébrale. Puis,
des soleils jaunes. Je fais monter deux rayons de lumière, l'un sous la peau en avant, l'autre en arrière, le long de la colonne vertébrale. Je porte mon attention au milieu de ma poitrine, entre les seins à l'avant et au même niveau sur la colonne vertébrale à l'arrière. Deux soleils vert émeraude y brillent. À travers la poitrine, les soleils verts, intenses et chauds, se rejoignent et s'interpénètrent. Les rayons jaunes qui montent de mon plexus solaire viennent se brancher sur mes soleils vert émeraude, très lumineux, translucide et chaud. Des soleils, deux rayons d'un vert intense montent vers le cou. En avant, le rayon vert fusionne avec la fleur d'énergie multicolore de la fourche du sternum. Monte pour venir à la base du cou activer un soleil bleu pâle très brillant. En arrière, un autre rayon vert fusionne avec la fleur d'énergie sur la colonne vertébrale, monte pour venir à l'arrière du cou, activer le deuxième soleil bleu pâle et chaud. À travers mon cou, les deux soleils bleus, brillants et chauds, se rejoignent et s'interpénètrent. Puis, de la base du cou, un rayon bleu monte, se dirige vers le fond du palais et se branche à une paire de petits soleils rouges, l'un à côté de l'autre. Ces deux soleils rouges s'unissent et brillent intensément au fond de ma bouche. Ils sont translucides et chauds. De leur point d'union, je fais jaillir un puissant tourbillon d'un rouge éclatant qui sort de ma bouche et va se perdre dans l'espace devant moi. Je vais à l'arrière de mon cou. Du soleil bleu pâle, je fais monter un rayon brillant jusqu'à la base du crâne pour activer une paire de petits soleils bleu saphir situés côte à côte. Ils sont translucides et brillants. Puis, de chacun de mes soleils bleu saphir, des rayons se dirigent vers le fond de la bouche pour se raccorder aux deux soleils rouges lumineux.
des soleils rouges, des rayons repartent se brancher sur les soleils bleu saphir. Des soleils bleu saphir, des rayons lumineux montent en arrière, suivent la courbure du crâne et viennent se brancher à la fontanelle arrière sur un grand soleil violet très brillant. De là, un rayon de lumière violette monte jusqu'au sommet de ma tête, à la fontanelle, et se branche à un deuxième grand soleil violet qui en émerge. Un soleil violet, chaud et lumineux. Au centre de ma tête, un troisième soleil violet brille intensément. Les trois soleils violets, du sommet de la tête, de la fontanelle arrière et du centre de la tête, se touchent et s'interpénètrent. Je me laisse baigner par leur lumière éclatante. Puis, du soleil du centre de la tête, des rayons de lumière violette vont se brancher sur les soleils rouges du fond du palais et sur les soleils bleu saphir de la base du crâne. Des soleils bleu saphir et rouge, des rayons lumineux montent à leur tour se brancher au soleil violet du centre de la tête. Du centre de la tête, de chaque côté, deux rayons de lumière sortent au-dessus des oreilles et se perdent à l'infini. Je reporte mon attention au sommet de ma tête. De là, des rayons violets montent, s'incurvent à droite et à gauche, et descendent se brancher à l'avant de mes chevilles sur un point situé juste au-dessous de mes soleils rouges. Toujours du sommet de ma tête, deux rayons violets montent, s'incurvent en avant et en arrière et descendent se brancher au soleil rouge du sexe et de l'anus. Je porte mon attention à la fontanelle arrière, au soleil violet qui en émerge. Deux rayons brillants montent, s'incurvent de chaque côté et descendent se brancher au poignet du côté du pouce. Puis, toujours de la fontanelle arrière, un rayon de lumière violette descend se brancher dans la région de la septième cervicale. Enfin, un dernier rayon violet
monte vers le dessus de ma tête. Je porte mon attention au sommet de ma tête, comme posée sur le soleil violet, une fleur d'énergie multicolore brille intensément. Je l'observe quelques instants, puis du soleil violet, un dernier rayon monte à la verticale, traverse la fleur d'énergie et continue de monter. Des soleils violets du sommet et du centre de la tête, des rayons lumineux se dirigent vers le haut de mon front. Il se branche sur une paire de soleils verts brillants et chauds. Deux soleils verts côte à côte, juste à l'arrière du front, qui se touchent et s'interpénètrent. De leur point d'union, à l'horizontale, un puissant tourbillon vert jaillit et va se perdre dans l'espace devant moi. Toujours des soleils verts, des rayons retournent se brancher sur les soleils violets du centre et du sommet de la tête. Puis, d'autres rayons verts descendent vers l'arrière de mes yeux. À l'arrière de mes yeux, deux soleils de lumière indigo brillent intensément. Les rayons verts qui descendent de mon front viennent s'y brancher. Du soleil violet du centre de la tête, des rayons viennent à leur tour se brancher sur les soleils indigo en arrière de mes yeux. Entre les deux sourcils, un peu au-dessus de la racine du nez, les soleils indigo se touchent et s'interpénètre. De leur point d'union se crée un puissant tourbillon d'énergie qui sort de la tête pour se diriger droit devant moi et se perdre au loin. Je relie par des rayons les soleils indigo avec les soleils rouges du palais. Toujours des soleils indigo, des rayons vont se brancher au soleil violet du centre de la tête et aux deux soleils verts en haut du front. Je reporte mon attention au-dessus de ma tête. Les rayons violets qui montaient de la fontanelle arrière et du sommet de la tête se rejoignent un peu au-dessus de la fleur d'énergie multicolore. Ils se branchent à la base d'une structure composée de trois pyramides emboîtées l'une dans l'autre, violet au centre, transparent au milieu,
argenté et or autour. Au-dessus de cette pyramide, l'énergie continue de monter en un tourbillon de multiples paillettes d'énergie or et argent. Vous venez de terminer la première étape. Laissez vagabonder vos pensées. Elles peuvent être très instructives. Un peu plus haut, posé au sommet du tourbillon or-argent, je vois un grand soleil vert forêt, dense, brillant et lumineux. Au-dessus du soleil vert, les paillettes d'énergie or-argent continue de monter. Un peu plus haut, elles entourent un très grand soleil orange pâle, très intense comme électrique. Au-dessus du soleil orange, les paillettes d'énergie or argent continue de monter. Elles atteignent une paire de grands soleils violets, lumineux, chauds, transparents et intenses, qui flottent l'un devant l'autre à l'horizontale. De chaque côté des soleils violets, je fais descendre deux rayons qui vont se brancher au dos des poignets et près de la racine du majeur, dans la paume de mes mains. À l'avant et à l'arrière des soleils violets, deux rayons descendent à toute vitesse, se brancher au soleil orange, au-dessous du nombril et sur la colonne vertébrale. Je reporte mon attention au soleil violet. Au-dessus d'eux, le tourbillon de paillettes or-argent continue de monter jusqu'à un grand cristal vert pâle. Posé sur lui, un autre cristal, rose saumon, translucide et chaud, brille intensément. Juste au-dessus du cristal rose saumon, prend forme une coupe, comme une grande coupe à vin. Je deviens comme le vent qui monte autour de la coupe. Son pied est vert pâle.
Et, à mesure que je monte en m'enroulant autour de la coupe, sa couleur devient or, un or pâle, comme de l'or en fusion, pâle, lumineux et chaud. Au sommet de la coupe, je me laisse glisser à l'intérieur et me retrouve debout sur un point d'énergie rouge et intense. Du fond de la coupe, deux rayons de lumière rouge montent, s'incurvent en avant et en arrière, et descendent se brancher au soleil jaune pâle du plexus solaire. Du fond de la coupe, deux rayons de lumière rouge montent, s'incurvent de chaque côté et descendent se brancher au soleil or en arrière de mes chevilles. Je reviens quelques instants dans la coupe. Je me laisse baigner dans cet univers or lumineux et chaud. Ici prend fin la deuxième étape. Du fond de la coupe, je regarde vers le haut et au-dessus de moi. Je vois tourner comme un sablier en énergie or et indigo, très gros, qui tourne très vite. Et à mesure que je le regarde, le sablier ralentit. Puis, il s'arrête. Au moment où il s'arrête, je me trouve aspiré au-dessus de lui par un double tourbillon d'énergie rouge et or qui m'emporte vers le haut à toute vitesse et me dépose sur une plateforme bleue électrique qui flotte dans le vide. Une plateforme qui ressemble à un plateau en plastique bleu pâle, transparent et lumineux. Je flotte là, debout sur ma plateforme, dans le vide. De chaque côté s'élève un tourbillon de lumière. D'un côté, il est rouge et or, et de l'autre, il est bleu et or. En avant et en arrière de la plateforme, deux rayons d'un bleu intense descendent se brancher au soleil vert dans la région du cœur. Puis,
De chaque côté, deux autres rayons bleus descendent se brancher sur le côté externe des chevilles, juste au-dessous de la malléole. Les deux tourbillons rouge or et bleu or continuent de monter et se rejoignent au-dessus de ma tête. À leur point de jonction, je suis propulsé dans un puissant geyser d'énergie or-orangé qui monte et m'entraîne à toute vitesse vers le haut. Du milieu du geyser, en avant et en arrière, deux rayons or-orangé s'écartent et descendent se brancher au soleil bleu du cou. Toujours du geyser, de chaque côté, deux rayons or-orangé descendent se brancher sur le dessus de chacun de mes poignets. Le geyser or-orangé continue de m'entraîner vers le haut. Je me retrouve debout sur une deuxième plateforme, plus petite que l'autre, beaucoup plus intense, d'un bleu électrique. Et, au-dessus de ma tête, je vois de multiples explosions, comme des feux d'artifice, multicolores, qui explosent sans arrêt. Et je vois leur énergie descendre, se mêler à tous mes soleils. Je monte à travers ces explosions et, au-dessus, je me retrouve encore une fois debout sur une toute petite plateforme bleu foncé, presque indigo, comme un cristal de saphir. Là, je suis baigné par une masse d'énergie jaune pâle. Je la sens très froide. Je me laisse pénétrer par cette énergie jaune pâle, froide, mais agréable. Je sors lentement de cette lune froide. De son sommet émergent trois petits tourbillons bleus qui se rejoignent et touchent la base d'un grand soleil jaune pâle, extrêmement chaud et brillant. Je me laisse baigner par cette lumière chaude et agréable. De cette boule d'énergie, en avant et en arrière, deux rayons descendent se brancher au soleil rouge du palais et au soleil bleu saphir de la base du crâne. Deux autres rayons, jaune pâle,
descendre à toute vitesse, se brancher à l'intérieur de chaque cheville, juste au-dessous de la malléole interne. Puis, je reviens dans le soleil jaune pâle. Je me laisse emporter à travers cette énergie, toujours en montant. C'est chaud, brûlant, aveuglant. Je sors lentement par le haut, passe à travers le point de fusion de 3 petits tourbillons jaunes et de 4 tourbillons bleus. À ce point de rencontre se forme un immense geyser vert, vert pur, vert électrique, vert intense, comme de multiples explosions empilées les unes par-dessus les autres, qui m'emportent à toute vitesse vers le haut. Et, vers le milieu du geyser, en avant et en arrière, deux rayons de lumière verte descendent se brancher au soleil de couleur verte en haut du front et au soleil violet de la fontanelle arrière. Toujours du milieu du geyser, de chaque côté, deux rayons de lumière verte descendent se brancher au côté externe des poignets. Je reviens dans le grand geyser vert. Il continue de m'emporter à toute vitesse jusqu'à son sommet. Et là, au-dessus de moi, brille un immense soleil. Un soleil qui m'est personnel. Il est de ma couleur. Une couleur lumineuse, chaude et intense. Je pénètre dans ce soleil et me laisse baigner par sa lumière. Puis, j'en fais jaillir de multiples étoiles très brillantes qui vont se fondre sur mon corps physique et se brancher sur tous mes soleils.
Thank you.